Le faut. Nous sommes rentrés en contact avec la Fédération ivoirienne de football qui a accepté que les deux protagonistes, accompagnés de leur dirigeant, le président Gondo, soient sur ce plateau pour dire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, Koulibaly, mais nous avons la chance de les avoir sur ce plateau. Et on ne va pas s'adresser au président d'abord, directement aux deux concernés. Gosso Gosso, vous êtes le plus âgé. Oui. Que s'est-il passé? Bon, là, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Et ce qui s'est passé au stade Félix Tophou-Boigny devant le public, et je trouve ça vraiment désolant parce que nous, footballeurs, nous devons apporter, véhiculer des sentiments ou des images positives. Et voilà, vraiment, nous sommes venus là pour présenter les excuses. Franchement, à tous ces supporters qui étaient là ce soir, aux journalistes et surtout aux dirigeants de la fédération, à nos coéquipiers et aux coachs. Et franchement, cela ne va plus se répéter. Franchement, nous sommes vraiment désolés. Et pour moi encore, on demande pardon aux... Alors, Razak, vous êtes jeune, vous êtes arrivé chez les éléphants et puis vous vous exprimez comme ça, vous bagarrez devant tout le monde. Non, franchement, je suis désolé. Bon, c'est l'intention. Vous voyez, dans une équipe, tout le monde cherche à se battre et voilà, on s'est pris la tête. Voilà, c'est juste pour lui. On s'est pris la tête, bon, on s'excuse et. Ça va plus se répéter. Quoi. En te battant avec ton grand frère, tu lui as montré aussi du respect. Hein? Non, c'est mon vieux père. C'est juste, voilà, c'est comme dans le jeu, vous voyez, c'est le chien est chaud. Tout le monde, le sein est chaud et ça fait jusqu'à. Voilà, on peut se discuter et puis bon, voilà, ça passe. Quoi. J'ai vu une belle image tout à l'heure au maquillage. Je les ai vus, ils sont arrivés tous les deux ensemble, accompagnés de Gondo. Ils étaient tous souriants, main dans la main. Est-ce qu'on peut dire que la tension est retombée et que. C'est vraiment un incident totalement clos. Allez, en direct, là, vous serez la même. Non, il y a juste. C'est la famille. Il y a rien à voir. Il y a juste. C'est passé au terrain. C'est au terrain. C'est au terrain. C'est le football, c'est normal. Qui a gagné au point? C'est un show. Qui a gagné au point? Personne n'a gagné au point. Personne n'a gagné au point. Personne n'a compté le point. Non, personne n'a gagné au point. C'est un show. Alors, président, Gondo, vous êtes là. Vous les avez accompagnés. Le calme est revenu. La sérénité est revenue. La FIF va-t-elle prendre des sanctions? Bon, il faut dire, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que, et qui était important pour ces garçons à dire, ils ont insisté pour venir le dire devant la nation, devant tout le monde, c'est de dire que l'image qu'ils ont montrée cet après-midi, on espère qu'elle ne va pas passer beaucoup, mais si eux-mêmes ils reconnaissent, ce n'est pas l'image de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand on porte ce maillot, il y a un message qu'on véhicule, il y a... quelque chose d'important. Et les gens, quand ils les regardent, l'équipe nationale, c'était pas ça, notre équipe nationale. Donc, c'était le premier message qu'ils étaient venus porter cet après-midi, ce soir. La deuxième chose qu'ils ont voulu dire, ils l'ont dit, c'est que ils ont tout de suite, se sont rendus compte que c'était pas bon. Ils ont présenté leurs excuses d'abord au groupe, parce que vous savez, quand on va se battre, on se bat pas entre nous. On va se battre contre un adversaire. Donc, ils ont d'abord privilégié le groupe, présenté les astuces ensuite à leur coach. Et puis ensemble, ils sont venus voir le président pour dire vraiment, président, on a fauté, ce qu'on a fait là, c'est pas beau. Surtout que vous avez voulu cet après-midi offrir cet entraînement-là aux spectateurs. Ce n'était pas vraiment là l'occasion d'avoir ce comportement. C'est ça le plus important à l'heure où nous sommes. Ils sont conscients que nous allons, dès demain, en Tanzanie. Ils vont pour une bataille plus importante. Le reste appartient, comme le disait tout à l'heure votre invité, appartient au coach, appartient donc aux dirigeants de la fédération pour pouvoir gérer ce genre de questions-là. On ne peut pas vous dire que c'est la dernière fois que ça arrive en équipe nationale, parce que vous savez, nous sommes dirigeants de club. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ouais. Mais voilà. C'est sûr voilà. Que... On va dire que ça arrive. Mais on vous dit qu'on n'a rien à cacher aussi en équipe nationale. Voyez-vous. Voilà. Non, c'est, voilà. C'est quand bien, ça c'est vient, quand ça arrive, on le reconnaît. Alors, contrairement au ragot qu'on lance parfois. Alors, dites-nous, vos coéquipiers, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Oui, évidemment, ils n'ont pas bien pris. Et franchement, je me mets à la place. Parce que c'est pas, ça ne donne pas l'image positive. Alors, moi, ce qu'on va vous demander ce soir, pour vous faire pardonner, vous gagnez en Tanzanie? On espère. Bon, actuellement, il y a un bon état d'esprit. Tout le monde a envie de jouer.
Et je pense que les places aussi sont chères. C'est pour ça peut-être qu'on s'est venu. Razak, vous promettez de gagner, de tout faire pour gagner? Ouais, on va aller donner tout nos si le coach là-bas. Vous fait confiance, de toute façon, le plus important sur le groupe, c'est lui. Voilà. Bon, alors vous êtes conscient que ce que vous avez fait n'était pas bon. Ouais. Vous n'allez plus recommencer. Prenez mais la promesse devant tout le monde. Oui, on prend, enfin moi, personnellement, je prends l'engagement de ne plus le faire parce que moi, je suis le grand frère. Je dois donner vraiment l'exemple à tous les jeunes gens qui nous regardent et qui nous ont vus ce soir et venus demain, c'est pas bien. Alors toi, si tu prends l'engagement, tu peux recommencer. Non, il n'y a pas de problème. Moi, seulement, j'apprends avec les vieux pères, les grands frères qui sont en équipe nationale. Je sais donc, tu vas plus recommencer. Plus... Pas avec un autre. Non. Je ne veux plus entendre ça. Il n'y a plus. Président, merci. Mais avant que vous ne partiez, on va vous montrer le match aller face à la Tanzanie. D'accord. Où on l'avait emporté. Et puis, ça va vous rappeler un peu quelques souvenirs. Okay. Merci bien. En tout cas. À l'accoutumée.